au départ, on m'a proposé de faire un concert. Et moi, tout de suite, j'ai pensé à Benoît parce que je me suis dit que ça pouvait être plutôt chouette qu'il se passe un truc, soit pas juste moi avec ma guitare hein, qui chante mes chansons, mais qu'il se passe quelque chose. Et puis, d'autant plus que là, ensuite, quand ils ont parlé de cette grotte, voilà, on était comme évidemment. L'exercice de dessiner en direct avec des musiciens, des danseurs, des narvalos, des, je sais pas, des acteurs, des, ce que tu veux, c'est un exercice que je fais depuis très longtemps, que je fais beaucoup. Moi, je suis à un endroit où ce dont j'ai envie, c'est de me laisser emporter, en fait. Pas savoir ce qui va se passer, pas savoir ce qui va se passer. Je vais les interpréter d'une certaine manière en fonction de moi, de mon état personnel, de la, sans doute aussi du contexte, tu vois, des dessins de Benoît, et du public, moi, du public. Travailler par exemple sur les traces qu'ont laissé les tailleurs de pierre. Donc ça va être le point de départ de mon travail. Ouais. Donc, je sais toujours pas ce que je vais faire exactement. Je prévois des dispositifs, puis après je me plonge dans la musique de Michel et puis on s'embarque. Heureux d'être là ce soir.